t'es ouf toi. Alors là on va faire attention parce que ça c'est un peu les chemins à randonneur, tu vois. Ouais, celle-là. Celle-là par contre là le virage il faut quand même le prendre, donc on va éviter de sauter. Ouais, se débrouille bien en vrai. En fait c'est plus des compressions que des bosses. Mais moi je suis impressionné parce que chez nous quand c'est gras ça accroche vraiment pas comme ça hein. T'as les deux roues en glisse, là c'est... Je pense que par contre quand c'est très gras ça doit vraiment coller. Mais c'est vrai que là c'est agréable. Franchement c'est plutôt agréable. Ça c'est un virage que j'aurais dû prendre debout parce que assis je me fais emporter comme un bâtard. Oh, ça glisse n'empêche, regardez comment elle part. Non c'est des chemins somme toute assez plaisants. Mais c'est pareil tu vois là, je sais pas dire si ça glisse, si ça glisse pas. C'est assez spécial au final. Hop, ça par contre, c'est vraiment ce que je kiffe. Tu mets un gros coup de avec le 4,5. Même pas un gros au final. Et là ça fait rap, un tout petit saut. Quand même faire gaffe parce qu'il connaît, mais moi j'ai vraiment aucune idée de. Oh là là là. J'ai vraiment aucune idée de où je m'embarque. Allez, on va laisser passer devant. C'est ça qu'il attend depuis tout à l'heure. Oh là là. Doucement, laisse-moi dessus. Mais oh là là, en plus, et la moto, c'est incroyable. Elle a l'impression qu'elle dandine même pas. Genre. Alors là. Je suis peut-être tombé amoureux de la Fantique avant de l'avoir essayé, peut-être. Mais franchement, ça a l'air d'être une moto intéressante. Moi, je suis amoureux de la partie Six Yamaha, mais là, rien qu'à l'avoir roulé en fait, quand je vois la 2,5 KT qui est censée être plus posée qu'un 125, mais c'est carrément l'inverse en fait. Ça a l'air d'être carrément l'inverse, genre vraiment. Ils vont tellement en avant que j'ai l'impression que le mien il est mal réglé. La vitesse. Ah. Vas-y. On a perdu Dylan. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pris un truc dans le nez?
T'as pris un truc? Ouais, j'ai pris un caillou. Toi. Allez, on repart. Avec la grosse 4,5. À faire frisquer là, ouah, c'est un petit peu traître ça. Là ça monte de ouf en fait. C'est un mur. Ça sent le gaz d'échappement là, c'est bon ça. Ça sent le bon dedans. C'est trop bon. Incroyable, je vous jure, c'est incroyable. On n'a pas fait de technique, mais oh là là, je me suis régalé quand même. Mais là, mais laisse tomber. En plus, en 125, comment tu dois t'éclater. Allez, authentique. Encore spécial, c'est franchement, c'est une arme. Elle est peut-être limite. Alors, moi, j'ai plus l'habitude 125, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que putain, ça bombarde. Elle est quand même assez pleine. On va essayer de faire un démarrage en seconde. Donc là, je suis en seconde. Elle a du mal. Et ça, c'est plus le carbu qu'autre chose. Waouh. On va faire attention parce que là il y a un bon petit ravin là. Ça marche vraiment bien. Alors pour être honnête, je sais pas si c'est le carbu ou quoi. Mais non, franchement. En fait, plus on est en altitude, mieux ça marche. Donc je pense que c'est surtout le réglage carbu qui est fait pour rouler sur Obnas. Alors que là on est pas loin de la mer, on est à peut-être plus de 100. Et quand même 700 mètres, ça peut jouer. À 4,5, regardez, on a l'impression qu'il serait de la vite. En fait, vraiment, j'ai du mal à voir où est la limite. Que on a l'impression que vraiment la roue avant, déjà elle tient vraiment bien. La fourche, ça talonne pas. Donc, pour preuve que c'est quand même bien réglé. Et le moteur, franchement, je suis impressionné. Je pensais avoir un truc très creux. Et au final, ben, pas vraiment. En fait, ouais, ça me fait grave peur la route. C'est vrai qu'alors là, sur la route par exemple, j'ai vraiment du mal à sentir l'avant de la moto. Alors c'est peut-être que j'ai l'habitude de la 4,5. Ouais, alors, cette moto elle a quoi comparé à une YZ? Déjà CDI, complètement nouveau. Donc ça a quand même le caractère moteur, ça le modifie pas mal. Elle a un allumage qui est complètement différent. Elle a aussi, voilà, comme j'ai dit, le CDI, une ligne complète à roues. Donc là déjà ça fait pas mal. Les suspensions, c'est tout changé. Elle a aussi une batterie, une petite batterie. On a remarqué ça tout à l'heure, je savais pas. Comment on l'a su? Bah, en fait il y a un contact. Et quand il y a le contact, bah, le compteur s'allume, les feux s'allument. Donc ça c'est très bien. Et c'est aussi, moi je trouve que c'est pas forcément ouf parce que moi j'en ai pas besoin. Et du coup tu peux décharger la batterie en laissant le contact sans faire exprès. Ce qui peut m'arriver, clairement, c'est le genre de truc qui pourrait m'arriver à moi. Donc voilà, je sais pas si c'est une super bonne chose ou pas. Donc voilà, setting revu. Et deux trois petites choses qui font que c'est vraiment, pour moi en tout cas là, de ce que j'ai testé, j'ai vraiment une moto d'enduro et pour moi ça c'est très 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 important. C'est pas si cher que ça, neuve, elle est à 8005 et c'est vrai que je trouve pas ça excessif, franchement. Pour voir comment elle est équipée, full Kayaba, elle est clé en main, tu roules, t'as pas besoin de la faire homologuer, t'as rien besoin de changer. Donc moi je trouve que c'est vraiment le top. Je suis vraiment agréablement surpris, j'avais quand même des grosses attentes. Parce que je suis vraiment amoureux de la partie cycle YAM. Et là je suis pas déçu là-dessus.
Et le moteur, j'avais un peu peur. Franchement, c'était kit double. Bah, je dirais que c'est plutôt double. Voilà, après, il faut essayer et se faire son avis. C'est vrai que j'ai pu tester la 125 XCW à Guigui. Ça se ressent pas tant que ça. Mais elle a quand même vachement de couple. Je la trouve plutôt souple. Voilà, on peut quand même piloter la moto assez tranquillement. Avoir dans le vraiment très roulant. Parce que là, je suis déjà en. Oh, oups. Vous voyez, ça reprend quand même pas mal. Ah, c'est mieux qu'à 4,5 ça hein. Ah oui, non mais d'accord. Je vais m'éloigner parce que ça jette des caillasses. Ouais, si tu veux t'entraîner à un Dakar ou quoi, faut venir ici. Ouais. Ouah. Un peu la route là, je sais pas combien de temps la caméra va tenir, mais c'est super mignon. Regardez, petit port de plaisance, on a même la marée chaussée. Regardez devant, et où les villes, ils sont beaux. Vous l'avez vu, Didou s'est ouvert à la lèvre, du coup on est là, on va voir ce qu'il faut. Pharmacie de garde bien sûr, parce qu'on est dimanche, confinement, super.